Hearing the affliction of his people, God the Creator will command that Satan be cast into the depths of the bottomless pit and bound there. Then a universal peace will commence between God and man. Watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet. Prophecy of the Golden Age, Part 6, The Prophecy of Nostradamus. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Olaxis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malaysian, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Bonjour téléspectateurs bienveillants, je suis Alice de Genève en Suisse. L'élégant peuple suisse vous souhaite d'être libéré pour toujours. Dans le programme d'aujourd'hui, la série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions à propos de notre planète, Prophétie sur l'âge d'or, sixième partie. Nous présentons les prophéties de Nostradamus. À travers l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, messies ou quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés. Leurs mots sont obscurcis. Mais comment pouvons-nous distinguer le vrai du faux? Pour le faire, on ne peut compter que sur le divin pour nous guider. Et la vérité se révélera d'elle-même à ceux qui la cherchent sincèrement. Michel de Notre-Dame, plus communément appelé Nostradamus, est un voyant français qui a vécu au XVIe siècle. Il est célèbre aujourd'hui pour avoir écrit les prophéties, un recueil de 942 quatrains poétiques qui prédisent l'avenir. En 1550, Nostradamus a publié ses premiers almanachs, une revue annuelle listant une série de prédictions pour l'année à venir. Et au fil des ans, ces almanachs ont présenté plus de 6338 prédictions. Suite, son œuvre la plus connue, Les Prophéties, a été publiée. C'est une compilation de prophéties non datées qui, selon Nostradamus, couvre une période allant d'aujourd'hui en 1555 à l'année 3797. Exprimées sous forme de quatrains poétiques, les prédictions racontent divers événements historiques liés au climat et plus encore. Nombre de ces événements se sont réalisés et ont pu être vérifiés à l'époque même où vivait Nostradamus, comme par exemple l'invasion de l'Europe par l'Empire ottoman. Nostradamus a alors attiré un grand nombre de soutiens car beaucoup reconnaissaient qu'il avait prédit justement plusieurs événements importants dans le monde. La venue de l'âge d'or était un de ces événements. Il avait prédit « Le temps attendu ne reviendra jamais. Il apparaîtra en Asie. » «
vers chez lui en Europe. De la ligue issue du grand Hermès et sur tout roi des Orients, il croîtra. All of us are watching the world's best television network on the planet, which is operated and hosted by Supreme Master Ching Hai.
He wish go green to save the planet. La religion du nom des mères vaincra contre la secte du fils Adalunkatif. L'autre secte obstinée, déplorée, craindra des deux blessés par Aleph et Aleph. Le nom obscur Adalunkatif représente le nom du sans-foi Nilois. Aleph et Aleph représentent les noms du contre-pouvoir. Nostradamus prédit aussi un âge d'or qui durera 1000 ans après certains événements tumultueux. Voici ce qu'il écrivit au roi Henri II. « Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne de Saturne. Et siècle d'or, donc commencera entre Dieu et les hommes une paix universelle. » The cosmos united, okay? And when the cosmos united, then peace will come. Wow. But before the cosmos united, there has to be a great force of love, true love, real love, that make it happen. Wow. Nice. It takes one with sincerity and spiritual power to do that. It has to be real love, unconditional, truly deep, profound, compassionate love. And heaven told me that the cosmos was so moved by such a great love and became united. Wow. That is the words that they said to me. Master, could we know whose great love united the cosmos? Yeah. Actually, heaven told me more in detail whose love, but I cannot reveal it, okay? It will damage the peace, yeah? Because of Maya. So maybe I just say from M's love, yeah? the cosmic was moved by M's love, M's great love, that it became united. That's good enough. I cannot tell more in detail, okay? Thank you. Nous allons maintenant faire une courte pause pour rendre grâce pour tout ce que nous aimons et nous reviendrons après ces messages. Ravie de vous retrouver pour la série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions au sujet de notre planète. Prophétie de l'âge d'or. Sixième partie, la prophétie de Nostradamus. Nostradamus poursuit en expliquant dans une lettre adressée au roi Henri II comment les événements se dérouleraient. Encore une fois sera lié Satan et surviendra une paix universelle entre les hommes et l'Église de Jésus-Christ sera délivrée de toute tribulation. Même si les Azostins voulaient mêler le fiel au miel et leur séduction pestilentielle. Et cela se rapproche du septième millénaire. Plus jamais le sanctuaire de Jésus-Christ ne sera foulé aux pieds par les infidèles qui viendront d'Aquilon, du latin Aquilo, vent du nord-est. Le monde s'approchant de quelques grandes conflagrations, même si, selon les calculs effectués dans le cours de mes prophéties, le temps va beaucoup plus loin. Dans l'épître que, ces années passées, j'ai dédié à mon fils, César de Notre-Dame, j'ai assez ouvertement déclaré quelques points sans présage. Mais ici, au Sire, sont compris plusieurs grands et merveilleux événements auxquels assisteront ceux qui viendront après. Il a également écrit « Alors le troisième roi d'Aquilon, entendant la plainte du peuple de son plus grand titre, lèvera une si grande armée et passera par les détroits de ses pères et aïeuls et remettra la grande partie en son état.
et le grand vicaire à la cape sera remis dans son ancien état, mais isolé et ensuite abandonné, et sera le Saint des Saints, détruit par le paganisme, et l'Ancien et le Nouveau Testament seront recherchés et brûlés. Et après l'Antéchrist, le prince infernal viendra. Encore pour la dernière fois, trembleront tous les royaumes de la chrétienté et aussi des infidèles pendant 25 ans. Et après cette longue période à passer, sera presque renouvelé un autre règne de Saturne et siècle d'or. I was wondering about the Golden Age because we started into the Golden Age a few years ago. Yeah. Are we still headed towards the Golden Age? Yeah. And we have saved the planet. All the people, except those who are screened out. You know, recently there are a lot of cleaning, remember? A lot of disaster and all kind of things. These are screening process. Those who live here now are already up to at least one or two levels higher. Even they are still in the physical body, but their soul already elevated to third or fourth level. Dieu le Créateur, entendant l'affliction de son peuple, dira, Satan sera mis et lié dans l'abîme des abîmes, dans la fosse profonde. Et alors commencera entre Dieu et les hommes une paix universelle, et demeurera lié pendant environ 1000 ans, et Satan demeurera lié l'espace de 1000 ans, et il sera à nouveau délié. Master, we see in the news and in media that people are becoming more aware of themselves, their purpose, the planet, and in general becoming more awakened, more veganism, more vegetarian, and healthy trends. It seems to be opening up more and more now. Yeah, you can see that. Yeah, it's kind of a surge of upward tendency for human. Yes. Even some unexpected event, you know, like people don't import meat anymore, people don't import livestock anymore or export livestock anymore because of concern for animal suffering, etc. This never heard of before. No. Not openly like this. Even post it on internet for everyone to see, leaders of the world, yes, government, openly and proud of it even. Yes, Master. Some country even propose outright religious belief, even though before they didn't. Yes, yeah? Master. Supporting religions, religious belief and practice. There will be more things coming that's more positive for this planet. Wow. More positive, more upward, more enlightened, more peaceful, and more loving and kind. Yes. We'll be everywhere. Toutes ces figures sont accordées aux divins caractères et aux astres visibles, à savoir Saturne, Jupiter et Mars. Et les autres en conjonction, comme on a pu le voir plus amplement dans quelques quatrains. J'aurais pu faire plus et relier ceux-ci les uns aux autres. Mais voyant, ô sérénissime monarque, que la censure pourrait me causer des difficultés, j'ai retiré ma plume du papier pour me consacrer à mon repos nocturne. J'aurais encore à dire, ô le plus puissant de tous les rois, beaucoup de choses admirables et qui arriveront certainement sous peu, mais je ne peux ni ne veux les renfermer toutes en cette épître. Cependant, afin de comprendre certains faits qui sont d'horribles coups du destin, il en faut effleurer quelques-uns. Dans une lettre à son fils, César, inscrite comme préface à son œuvre majeure, les prophéties, qui selon Nostradamus s'étendent d'aujourd'hui en 1555 à l'an 3797. Il a écrit « Les mystères de Dieu sont incompréhensibles et le pouvoir d'influencer les événements est caché dans des connaissances divines. Il ne se révèle que par l'âme libre qui ne comprend pas nécessairement ce qui est révélé aux autres. » La connaissance parfaite de toutes ces choses ne peut être acquise sans l'inspiration divine, qui est la source originale émanant de Dieu le Tout-Puissant. J'ai composé plusieurs livres prophétiques, chacun contenant 104 quatrains astronomiques, que je condense obscurément.
Mon ouvrage comprend des prophéties départant d'aujourd'hui, 1555, même jusqu'à l'an 3797. Ces choses peuvent agiter quelques-uns qui verront un tel espace de temps et qui seront compris universellement cette terre dans l'avenir. Merci d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. Retrouvez-nous bientôt pour le prochain épisode de cette série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions à propos de notre planète, prophétie sur l'âge d'or, la prophétie de Nostradamus. Et restez sur Supreme Master Television. Nous prions pour que le ciel soit toujours votre guide. Thank you for watching today's episode. Please join us again soon for the next part of our multi-part series on ancient predictions about our planet. Prophecy of the Golden Age, the prophecy of Nostradamus. Please stay tuned to Supreme Master Television. We pray that heaven always guides your way. For more details, please visit suprememastertv.com/AP.